Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire du dessin, c'est la première fois. Aujourd'hui c'est très simple, donc on va dessiner Goku. Et bah dans donc en 20 secondes, en 1 minute, en 2 minutes et en 5 minutes. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Bon visionnage. D'ailleurs j'ai augmenté la qualité de mon micro, j'espère que ça se voit et que c'est mieux pour vos petites oreilles. Petites oreilles, ou je sais pas, je sais plus parler français, c'est bon, tu veux quoi. Je pense que. On va commencer par le 20 secondes. Donc je vais prendre un petit minuteur. Donc c'est bon, comme vous le voyez juste ici là. Il y a un petit timer que je vais lancer. Et du coup, il est où mon stylo? Du coup, je vais faire au stylo. Donc voilà, je vais avoir 20 secondes pour dessiner Goku. Donc voilà un petit peu, je vous fais un petit peu sur le côté. Mais en gros, ça va être tête. Là, on va dire que c'est le cou. D'accord, donc je vais le faire un petit peu plus. Voilà. Et après, là, on va faire une petite partie du corps. Voilà, ça va être à peu près ça. Sauf que là, il va y avoir les chaussures. Voilà, la coupe bordélique de Goku. Donc en gros, on va faire ça ici, un peu sur chaque. On va essayer de faire un truc pas mal. Du coup, j'ai 20 secondes. 3, 2, 1, go. Ok, donc on va commencer par la tête. Je stresse. Ok, c'est tout, c'est fini. C'est claqué au sol. Regardez, frère, c'est pas possible d'être aussi claqué. Non, après j'avais 20 secondes et je crois le timer il allait super vite. Hein. Du coup, là on passe du coup sur une minute. Et donc j'ai changé l'horloge 2 secondes. Ok, c'est bon, j'ai changé l'horloge, enfin le truc. Et du coup, on va pouvoir commencer. Donc, 3, 2, 1. Voilà, c'est tout. C'est tout, ta gueule. Voilà. Donc, voilà. Bah, voilà ce que j'ai un peu réussi à faire. Bon, c'est un petit peu dépassé. Mais c'est pas grave. On s'en bat les grosses baboules. Donc. Maintenant, on va passer à 2 minutes. Je change l'horloge. Cette fois, je vais faire. Cette fois, ça va être un peu mieux. Genre, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Et hop! Voilà, cette fois, c'est. J'espère que c'est un petit peu stylé. On va voir au montage, de toute façon, donc on s'en fout. D'ailleurs, rien. Oh, c'est vraiment une blague digne de Théo Bobok. Hein, on va pas se mentir. Bon, on va un petit peu pousser vers le haut pour que vous voyez un petit peu un truc. Et bon, on va faire comme la dernière fois. Donc cette fois, je vais avoir 2 minutes, donc je vais être large, donc je vais prendre mon temps. Et aux 5 minutes, on va voir. Et à la fin, je vous prépare le 10 minutes aussi. Donc il va être très très long, je vais prendre mon temps et tout. Donc là, on va faire 2 minutes, je vais essayer de prendre mon temps, mais quand même me dépêcher un petit peu. Pour faire au moins un petit peu une partie de son corps. Et ben, je prends mon stylo. 3, 2, 1. C'est tout. C'est fini. Bon, sa gueule, c'est bon, on a compris. Vous, vous entendez pas, mais il y a un bip bip horrible. Bah, en vrai, il est pimpé un petit peu. Attendez, j'essaie de vous montrer. Et il est pimpé un petit peu, en vrai, ça va. Même si j'ai déjà fait mieux. D'ailleurs, allez voir mes photos Insta. Là, je vais avoir 5 minutes. Donc, on change. Cette fois, j'ai la flemme de faire du montage. Regardez, par la magie du montage. Non, ça n'a pas marché cette fois. Bon, ça va marcher maintenant. 3, 2, 1. Voilà. Là, c'est stylé, là. Donc, voilà. Donc, cette fois, on va faire... Je vais faire un petit zoom, là. Allez. Cette fois, je prends tout mon temps. 3, 2, 1. Go.
les gars, c'est terminé. En vrai, il a une belle gueule, même si on voit qu'il y a quelques erreurs. Donc, par exemple, aux cheveux, j'aurais pu mieux faire. Genre, par exemple, la mèche, elle est un peu bizarre là. Il y a aussi la main, on voit bien un peu que j'ai essayé de cacher. Voilà, j'ai beaucoup sorti, ouais, les cheveux, en vrai, ça va pas. J'ai aussi fait cette ombre là par flemme, en mode. C'était un peu de la flemme et je l'ai même pas bien fait. C'est pas vraiment super bien fait au final. Les mains, on voit celle-là, ouais, bah, adieu, en fait. Voilà. Sinon, je trouve le cou, ça va. Et par contre, le corps, ça va pas trop. Genre, on voit un peu à la forme que cette fois, ça va être un putain de 10 minutes. Donc, je vais avoir toute la feuille. Ok? Évolution, je vous montre. Et maintenant. Ah, je me suis pété le pied. Ah! Bon, du coup, on va commencer. Donc, 10 minutes. Bon, vous voyez pas. Au moins, quand les potes, au moins, les potes y verront. Voilà, vous voyez, il y a écrit 10 minutes, je vais avoir toute la feuille. Là, j'ai tout ça. Donc voilà. Donc je vais prendre mon temps et tout. 3, 2, 1, go. All along the riverside, sad waters and lost souls. Branches of weeping willows. When I see you swimming, surrounded by the leaping waves, I want to get in and join you. Swept away by the current. Ok les gars, j'ai fini. Enfin, c'est fini. Genre, là, il y a plein de trucs à faire, là, à rajouter. Mais vous voyez que là, la tête, là, c'est parfait. Peut-être là, vous voyez, j'ai raté. J'ai mis un truc comme ça. J'ai mis qui pleure en mode vraiment drama. Ses cheveux, je les ai bien fait. J'adore le rendu de ses cheveux. Je sais pas si vous êtes du même avis. Voilà. Si vous voulez bien me laisser encore juste le temps, on va faire un avant-après, ok? Donc, je vais dessiner un petit peu, on va faire un petit avant-après, ok? Allez, go, Rotime Labs. Voilà, donc là j'ai rajouté genre au moins 3 minutes, un truc comme ça. Enfin, d'après, enfin, en tout cas, c'est ce que moi j'ai vu. Cette vidéo vous aura aidé, vous aura plu. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!